Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. On est en direct sur YouTube, donc toi tu vois la rediffusion. On va jouer à Stray. Stray qui est sorti il y a quand même quelques mois. On est sur PS5. Je remercie Sony pour la clé de jeu d'ailleurs qui m'a permis ben, voilà, de pouvoir jouer au jeu. J'avais pas forcément envie d'investir quand il est sorti. C'était pas une dépense que j'avais envie de faire. Le jeu m'intéressait, mais juste pour incarner un chat, dépenser quelques dizaines d'euros pour ça, je vous avoue que. Ah, je me suis un petit peu tâté, j'ai dit non. Non, c'est un choix que je fais. Je vous l'ai dit en début d'année, hein, il y aura peut-être des changements, etc. Et dans ces changements, bah, ça impose de choisir, et choisir, c'est renoncer. Donc j'avais renoncé à ce jeu, et finalement, Sony m'a offert le jeu, et j'ai dit, bah, c'est l'occasion. C'est l'occasion, on approche des fêtes, j'ai envie de faire des petites découvertes, j'ai envie de faire des lives un petit peu plus tranquilles, un peu plus sympas, où il y a un petit peu plus de partage, on découvre, etc. Donc on va partir sur Stray. Était développé par Bluetooth Studio, Annapurna aussi Studio, à qui on doit notamment 12 minutes, qui est sorti il y a quelques mois, qu'on a pu faire sur la chaîne. C'était vraiment un petit jeu très court, il y a deux ou trois épisodes, je ne sais plus, vous pouvez les retrouver dans la playlist de toute façon. Et c'était vraiment super sympa. Donc des petits jeux indépendants, comme ça, et qui sont quand même super bien développés, avec une petite histoire de base. Là, on va incarner un chat. Dans un monde cyberpunk, quel est le but? Je ne sais plus exactement. S'il doit retrouver sa famille ou autre, en tout cas, on va découvrir tout de suite. On se lance. Let's go. Hey, salut Jérôme, comment vas-tu? Ouais, jouer un petit chat. Bon petit chat. Pensez pour Alf. Hop là, alors. Oh, j'ai un petit chat. Oh. Il y a triste pour nos bleus. Ah oui, il y a triste. Ah, il y a un chat qui me fait des léchouilles. Hey, je suis pas un chat facile, donc tu me fais pas des léchouilles comme ça, s'il te plaît. Ah oui, lance fight, on joue. Ok. Le jeu est bien, c'est magnifique. Voilà. Oh! Il miaule. Ah. Alors, est-ce qu'on peut sauter avec le chat? Pour le moment, je ne sais pas. Ok, je peux courir. Je peux pas sauter. Je peux pas sauter, mais je sais pas ce que je dois faire de plus. À part me frotter aux autres chats. Le jeu est très beau. Eh oui, mais je peux pas stream en 1080 malheureusement. J'ai pas la connexion suffisante. Donc c'est du 720p ou c'est pas de stream. Au choix. Voilà, mais c'est pour ça la rediff sera en 1080, pas de soucis, c'est pour ça qu'on fait une VOD. Alors, oh, on se couche en cercle, c'est mignon, regardez, on est tous ensemble. Ok. Intro de jeu super passionnante. Papillon. N'oubliez pas, hein, ça reste un jeu indépendant, donc on n'a pas non plus les moyens d'un super gros studio, d'un triple A, etc. Se barre et nous on se barre. On est le charou. À l'intérieur du mur. Heureusement qu'il y a le sous-titrage.
Le jeu est bien, c'est magnifique, je vais craquer tout le long du jeu. Il ronronne le petit chat. Oui, le live sera en rediffusion comme d'habitude. A bientôt Joe. Merci d'être passé en tout cas, d'être venu faire un coucou, ça fait plaisir. J'aime l'ambiance, c'est top. Ton chat est roux IRL. Ah bah écoute. Alors, faut toujours pas sauter. Je pensais qu'on pourrait faire des petits sauts. On peut pas faire un... Ah, on peut zoomer. Ah, ok. Alors là, il y a de l'eau. On va peut-être pas se mettre dans l'eau. On est un petit chat, donc on n'aime pas trop ça. Ok. Pourquoi il veut... Ah si, on sprint comme ça. Très bien. Pour miauler. Voilà, super. Hop là. On va avancer comme on peut. C'est sûr qu'on est forcément beaucoup de choses à avoir, des items à prendre ou quoi. Ah, est-ce qu'on peut boire? Elle boit, petit chat. Ok, on est en train de boire. Super. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est un gameplay découverte. Je suis pas sûr de faire le jeu en plein. Sauf si vraiment... je me prends au jeu. Hop là. Ouh. Les petits pigeons, on les avait pas vus. Que j'ai des animaux chez moi, un chien. Alors maintenir pour enchaîner les sauts. Ok. Alors, oh, il se baisse tout seul, c'est automatique, magnifique. L2 pour observer, donc ça on avait vu déjà. Hop. Ok. On suit les copains pour le moment. Ah. Vous sentez la connerie? Nous, le tuyau va tomber. Et voilà. Allez, ciao les copains. Oh non. C'est triste. Ouais, c'est moche quand même. J'ai trop mis dans ton chat, tu ferais une papouille. C'est bien ramassé le chat. Ça miaule, hein, du côté. Bah ouais, les copains, mais je sais. Oh non, je boite. J'ai une patte cassée. Bon, essayer d'avancer. Je peux plus courir. Je peux plus rien faire. On va essayer de sortir de là. Ça fait mal au cœur. Bah oui. Oh non. Ah, moche. Fin du jeu, merci. Ah, il y a un sac vivant. Soit le sac est vivant, soit c'est un bug. Ah non, il y a quelque chose derrière. Ok.
un peu étrange. Allez, on se lèche. Laisse ta patte. Elle te ralentit. Laisse-la de côté, tu viendras la chercher plus tard. Ok, on arrive déjà à marcher. La petite sieste nous a fait du bien. Ah oui, rien à foutre, on pousse tout. Ok. Il faisait quoi là? On ne sait pas. Mais par contre, on va passer là. Se rater, trophée obtenu. La ville morte. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? On dirait des petits hérissons sans pique. Ok. Wow. Salut. On va avancer. Ça fait petit jeu de plateforme, mais du coup, je pense que le gameplay va être quand même assez limité. C'est pour ça hein, que j'avais pas voulu l'acheter à sa sortie. Tu sais pas trop quoi faire en fait. C'est drôle, hein, t'incarnes un chat, mais en dehors de ça. Allez, ah ça y est, on peut courir à nouveau. Help. Help à droite. Ok, on va essayer de retrouver notre famille, hein, je pense, du coup, nos copains chats. Les aristochats. Hop. Olomi. Ok. Oh, c'est mignon. Attends, j'entends de l'eau. Tu crois qu'on peut remplir le seau? Non. Hop. Hop. Hé hey. Mais un lynx, le lynx. Enfin, le chat. Ah bah oui, c'est un chat, tout par terre. Non, là on va se tuer. Ok. Ok. On se déplace comme on peut. Allez, splash. Magnifique. Je découvre le jeu hein, avec vous. Mais en fait, c'est très intuitif et assez linéaire. Des gros rats. Ouais, c'est ça. Les rats sont aussi gros que lui. Il y a des vibrations. Oui, il y a des petites vibrations dans la manette. C'est mignon, il fait ses courses. Ah, on fait les griffes. Ok, tu peux arrêter s'il te plaît? T'es en train de ruiner le tapis là, c'est honteux. Ah, on va boire un peu. On n'a même pas de jauge de vie, d'endurance, de trucs comme ça. C'est vraiment juste un jeu de plateforme quoi. Allez, zou. Ah, c'est mignon l'ascenseur. On dirait une grosse tique. Ils ont vraiment disparu en fait. Là, on dirait des tiques. C'est dégueulasse. Voilà. Je l'avais pas vu. Qu'est-ce qui se passe?
Des robots, les rats, oui. Ou tout est des robots. Ah bah oui, il fall. Ah oui, court. Wow! Wow! Attaque de tic. Oh bordel. Double esquive latérale. Je peux pas sauter. No! Oh ce bordel. No! Allez, dégage. Mais barrez-vous! Barrez-vous de cette tic! Wow! Oh bordel, il y a de partout. Ah! Je sais pas si je suis dans le bon sens. Oh. Laissez-moi! C'est dégueulasse! Ok. Lobby. C'est un coup à finir dans un restaurant, tu m'étonnes. En tout cas, les sons sont super bien faits. L'environnement est très bien développé. Pour le coup, c'est super fluide. J'aime bien. Hop. Là. En dehors du fait que ce soit assez limité en termes de gameplay, c'est sympa. Allez, pousse la planche. Okay. On va pas boire dans chaque flaque non plus. Hein. Bon, pas que ça va faire. Est-ce qu'on peut la bouger? Non. Ah. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut grimper. On n'a que ça. Alors si je me mets dedans, et voilà. J'essayais en marchant dessus, mais non. Voilà. Il y a la caméra qui nous suit. Stressant. Ah bah oui, il y a la poutre ici, je l'ai pas vu. Hop. Là. Oh, mais non. Et boum le chat. Il a vraiment pas de bol. Le chat, on va l'appeler pas de bol. Ok. Ouais, il est quand même agile. On va aller de l'autre côté. On va aller là. Là. On va le faire tomber. Coucou Lisa.
Ça a l'air pas mal par là. Il y a de la lumière. Bonsoir. Hop. On grimpe, on grimpe, on continue de grimper. Moi, j'ai foutu le bordel. Ah, on peut passer. Cool. Débrancher la prise. On le bloque avec toi. Hop. L'appartement. Ok. Non, je vais pas faire mes griffes. Ah, j'ai perdu mon... Ok. Besoin aide. Données corrompues. Besoin aide. Corps requis pour téléchargement. Corps requis. Corps qui? Passer la porte, allumer. Trouver un corps. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh les petits chats. Ah oui, mais là je peux pas brancher en fait. Il manque quelque chose. Il nous manque des prises. Oh, il y a un robot sur le tapis, regardez, c'est mignon. Il a pas l'air content par contre. Ah. Eh bah voilà. Le bordel. Tac. Et de 1. Rien de plus. Et ben, il va falloir en trouver 3 autres. Alors, le truc c'est, est-ce qu'ils sont dans le coin ou pas? Ouais, il y en a un là-haut. Il y en a un là-haut. Je peux pas grimper là. Là. Ah. Ok. Ah. Ah, il y en a un là. Ok. Ok. Et le dernier. Ah bah là. Ok. Non. Sur la prise, s'il te plaît. Voilà. Ouais, les caméras me suivent. C'est génial. Oula. Bien le bonjour. Je lui ai arraché la tête. Ah non! C'est horrible. Il y a quelque chose là. Qu'est-ce que je peux faire avec cette tête? Je crois que je peux lui mettre là. On est juste venu là pour prendre la tête.
Rouler un corps. Alors, où est-ce qu'on peut mettre ça? Ah, là. Sur la plateforme. Oh, magnifique. Uploading. C'est B12. Ouais, ça c'est couillon. Pourquoi le chat? Pourquoi t'es obligé d'aller gratter? Ça a marché, je suis libre. Ah. Je ne croyais pas les caméras, un chat dans la ville morte. J'ai oublié mon nom, je crois que ma mémoire est endommagée. Je restais trop longtemps prisonnier du réseau électronique. Je sais que j'ai travaillé pour un scientifique qui vivait ici. Pour le moment, tu n'as qu'à m'appeler B12, c'est ce qui est écrit sur... C'est ce qu'on avait commencé de faire. La ville morte est un endroit dangereux, mais tu as l'air débrouillard. On se débrouille. Ah, sortons d'ici. Suis-moi. Pas seul. Oui. Et où? Il passait où? Cette clé ouvre la porte, c'est tout ce dont je me souviens. Je vais te l'attraper. Okay. La batterie est presque vide, viens par ici. Il va falloir que tu mettes ça. Oh, trop fort! On a un sac à dos pour le robot. Houston, on a un problème. Ce sac à dos a été conçu pour les petits quadrupèdes dans ton genre. Il n'est pas trop gênant à porter. T'inquiète pas, tu vas t'habituer. J'ai numérisé la clé, je l'ai placée dans le sac à dos. Ok. Salut Leslie, comment ça va? Ce jeu est triste et beau à la fois. Ah bah écoute, ouais. On va voir ça. La clé. Souvenir, inventaire. Ok. Facile. Pour savoir à quoi sert un objet, montre-le-moi. Montre à d'autres gens, si on en croise, maintenant faut sortir de l'appartement. Ok. Regarde s'il n'y a pas d'autre chose. Ouvrir. Utilise la clé. Ok. Oula, ça flashouille. C'est quoi le code? Est-ce que quelqu'un connaît le code? Oui, 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 ok, très bien. Je veux... J'ai pas le code. Est-ce qu'il y a un code quelque part? Code. 3, 7, 4, 8. C'est ça? 3, 7, 4, 8. Ok. On va tenter ça. Alors. 3, 7, 4, 8. Magnifique. Ah, ça va super bien, je te remercie. Tu l'as déjà fini, donc pas de spoil. Ok. Voilà, ce soir, c'est déjà à découverte. Je sais pas si on ira jusqu'au bout, mais... voilà. Je l'ai pas acheté à sa sortie, parce que j'avais pas envie de dépenser pour le jeu. Mais, bah écoute, merci Sony pour la clé. Hein, je crois que c'est important. Ok.
Donc du coup, bah, on découvre. Petite soirée tranquille sur Stray. Quel jeu est vraiment sympa. Hein. Pour un jeu indépendant, j'aime beaucoup le graphisme. Pas foufou. Niveau gameplay, hein, ça reste simple. Mais le jeu est pas mal. Une belle découverte pour le moment. Comme on revient à l'extérieur. Et de là que tu viens. Promis à qui ? Ah. Carte postale, elle a inspiré la peinture murale. Prenons-la. Ah oui, lui il sert comme ça quoi. On a rien à foutre. D'où me viennent ses souvenirs ? Comment sont-ils arrivés ici ? Continuons. Nouveau souvenir, ok. 3% de souvenirs. Pop. Ah, mais là, la porte va être bloquée, donc on passe là. Là. Ok. Descendre. On va le tenter comme ça. Zone sécurisée. Ok. Wow. Ouais, là c'est pas trop. C'est pas très sécurisé là. Coucou dame, comment tu vas? Hop. Non, c'est dégueulasse. Lâchez-moi. Faut pas me faire bouffer par les tiques. Oh, y'a du monde. Les taudis. Oh, c'est un robot. Un robot ménager. Pourquoi il a fait ça? Ah, mais c'est méchant. Pourquoi t'es méchant, le robot? Il a mis l'alarme. Ok. Super sympa. Merci les gars quoi. Ils sont tous barrés. Bisous dame. Sympa d'être passé. Bizarre ces robots. Je suis qu'un chat, hein, n'ayez pas peur. Tout ce que je fais, c'est ronronner, faire mes griffes, miauler. On a un petit problème de traducteur, non ? Ils ont leur propre langue. Ok. T'es pas un zurk. Tu donnes ta langue au chat. Le nom du trophée, énorme. Espèce inconnue. Bienvenue dans notre village, tant que tu ne manges personne. Vous n'êtes pas très comestible quand même. Donc ça devrait le faire. Le samouraï robot. Ah, il est mignon. Fin de l'alarme. Le skin des persos est plutôt sympa quand même. T'as l'air perdu, t'as besoin de quoi? Une photo de l'extérieur, ridicule. L'ascenseur ne fonctionne pas, tout le monde sait qu'il est impossible de quitter cet endroit. Enfin, sauf les extérioristes. Mais ils sont tous partis, sauf Momo. Ah!
et a abandonné toute idée du départ, et c'est tant mieux, ok. Il vit en haut du bâtiment. Avec le néon orange. Ah, là-bas. Ok. Bon, bah on va essayer de trouver Momo. En un mot, Mo. En deux mots, Momo. Alors... Ah non, je peux pas... Attends, remonte. Eh, hey, salut Ali, comment vas-tu? Bonjour Willy, je suis ton nouvel ami. On dirait la réalité. Ah, c'est quand même pas mal. Wally. Wally, c'est dans Alf, ouais. Mon petit chat. J'adorais Alf quand j'étais gamin. Salut. Soignito. Les cercles de lumière sont agréables à observer. Mais je veux voir le vrai ciel un jour. Bien sûr. Donc lui c'est Soignito, c'est pas Momo. Non, saute pas. Pas de l'autre côté. Pas lui Momo ? Mytho. N'embête pas Vapora, elle est trop maladroite. Ok. Hein ? N'a rien fait. Rien fait, rien changé. Alors, Momo. On était pourtant sur le bon building. Faut qu'on aille par là. Peut-être en hauteur. Un petit peu plus haut. Donc lui c'est Soignito, c'est pas Momo. Non, on n'a pas que ça à faire, on va pas dormir. On peut pas aller au-dessus. Vas-y, j'ai soif. Mais non, énorme le chat. Il prend une boisson énergisante, trop fort. Ah non, on fait nos griffes sur le canapé. Trop fort, c'est n'importe quoi. Et salut Matt Venet, comment vas-tu? Nickel, content pour Messi, on a eu le droit à un sacré final. Ouais, ouais, ouais. Pas de la part de l'Argentine, hein, pas de la France. Hein. Un live sur farming, oui, peut-être dans la semaine. Vas-y, allume la télé. Et les news, ok. Pop. Je me dis toujours pas comment grimper là-haut. Repartir par là. Voilà, j'ai tombé les caisses. Ok. Ah, passe par la fenêtre. Est-ce que c'est toi, Momo?
Oui, ça va très bien, je te remercie. Oh, il n'est pas content, il est triste. Extérioriste. Ah, c'est Mobo. Ça ne marchera jamais. Pourquoi je les ai laissés partir? Je suis tout seul maintenant. Salut toi, qu'est-ce que tu veux? Une photo de l'extérieur, tu veux y aller? Ne fatigue pas, c'est une perte de temps, tu n'y trouverais que solitude et désespoir. Mes amis en rêvaient aussi, mais maintenant qu'ils sont partis, je me retrouve tout seul. J'ignore où ils ont atterri, j'ai essayé de les contacter, mais cette... de radio ne fonctionne pas. Mes amis et moi avons pris des notes sur nos recherches au sujet de l'extérieur. Tiens, prends les miennes si tu y tiens. Nouvel objet acquis, carnet de Momo. T'es tout seul maintenant, je puis entendre parler de l'extérieur, bonne chance. Momo a l'air triste, ses amis lui manquent. Laisse-moi jeter un œil au carnet qu'il nous a donné. Je manifeste des extérioristes. Wow, wow, doucement, doucement. Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix, nous devons protéger nos frères et nos sœurs, nous devons fuir les Urques. C'est signé Clémentine, Zbaltazar, Doc et Momo. On dirait que le nom de Momo a été ajouté plus tard. Je crois que nous devrions trouver les autres carnets. Merci Ali, très gentil à toi. C'est très sympa. Merci beaucoup, prends soin de toi. Bon live, merci, c'est gentil. Ça fait chaud au cœur. Bon. On essaye de prendre soin de soi, hein, bien entendu. Et non, je peux rien faire. Comment je fais pour me débarrasser de ce sac? Ok. Comme avec les petits tics. Ouais, non, je vais pas faire mes griffes. Pas la bonne station. Ah, par là. Papier à partition. Ok. Faire des trucs, je ne sais pas ce que c'est. Comment on accède à l'inventaire? Boisson énergétique. Carnet de Momo. Partition. Une petite valse. Entendre jouer ça. Ok, bah écoute. Pourquoi pas un de ces jours, hein. C'est typique du chat. Là aussi, il veut faire ses griffes. Ok. Y a pas un endroit où sortir ou passer. Oh. Back home. Je me souviens de ce jeu vidéo. Je crois qu'il date de juste après ma création. Ma mémoire est encore un peu floue. Avec le scientifique, on y a joué pendant des heures. C'était amusant, il me manque. Pourquoi ai-je oublié son nom? Ah bah, on va peut-être le retrouver. Un deuxième souvenir découvert. Nouveau souvenir, on est à 7% de souvenirs. Salut Crazy Tiger, comment vas-tu? Le jeu c'est Stray, c'est marqué dans le titre du live. C'est un jeu où on doit incarner un petit chat, voilà, et il doit retrouver. On doit retrouver le créateur du robot qui nous accompagne. Alors, le symbole sur ce mur correspond à celui du carnet. Ah bah voilà, faut qu'on aille de l'autre côté. Tu peux te servir des griffes pour te repérer un peu. Après, je sais pas si j'ai mis à jour la description du live. Le titre, oui, mais la description, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est resté sur The Devil in Me.
Hop. Et d'aller là. Là. Ouais, ça passe tout seul. Alors, je crois que le jeu est pas très long. Combien de temps exactement, je ne sais pas. Voilà, on fait tout tomber. Hop, allez, casse tout, vas-y. Oh, c'est chat, je vous jure. Je sais pas si vous avez une idée de la durée du jeu. La description est bien sûr Stray. Ok. Carnet de Clémentine. Ah, cool. Même logo que celui de Momo. On dirait que celui-ci appartient à Clémentine. Le plan se déroule comme prévu, on a réussi à contacter l'étage supérieur avant que la radio ne tombe en panne. Ils sont dans un lieu appelé Centre-ville, qui est visiblement contrôlé par une sorte de force répressive. J'ai parlé à Momo tout à l'heure, ses yeux, je connais ce regard, il ne viendra pas avec nous. Ah, trouvons les autres carnets. On en a 2 sur 4. Tout dépend si tu fais les quêtes annexes ou pas. Ah. Je sais pas. Là, je pense que je suis sur la quête principale. Attends, il y a un truc là. Partition. Ok. Photo de famille, peut-être. Bon. Va pas nous rendre l'Alsace et la Lorraine, tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Y'a rien de plus dans cet appart, c'est triste. 9 heures de jeu environ, ok. Ah oui, quand même. Il n'y a vraiment rien de plus. Alors. Ouais, ça on savait. Rien de plus. Utiliser ce genre de monnaie. D'accord, c'est de la monnaie. Très bien. A plus Jérôme. Merci d'être passé en tout cas. C'est vraiment sympa. D'avoir passé ce moment avec nous. Oh. Il y a quelque chose là. Une partition en plus. Là, on peut faire nos griffes. On s'en fout. On peut pas monter là. Non. Bon. Ah non. Alors. On essaye de trouver les endroits. Là-bas, il y a quelque chose. On est déjà allé là-bas. On est allé où? Là, on y est allé. On est allé là-bas? J'ai le doute. Non, on n'est pas venu là. Dans une bibliothèque là. Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain, volume 42. Visiblement. Partition en plus. Tu veux pas jouer des fois?
tu veux pas jouer? Tant pis. Piste. Regarde s'il n'y a pas des choses. Non. Ouais, moi je fous tout en l'air. Bon. On va grimper là-haut. Là, il n'y a rien. Et ici. Ah. Salut Doc, j'ai trouvé les clés de ton coffre, tu devrais mieux les cacher. Derrière les livres ne suffit pas. Jess, la bibliothécaire. Pourquoi ça? Ok. Je défonce tout. Alors, il va falloir faire tomber les livres. Je suppose. Pour pouvoir trouver le coffre. Il y a un truc là-haut. Ah oui, il se couche. Hey, c'est mignon quand même. C'est mignon. Ça sert à rien, mais c'est mignon. C'est dur. Non, c'est... En soi, c'est pas dur. Ah, attendez. Il y a un petit truc là. Je pensais que des fois, en faisant contrepoids, ça fait tomber les livres. Mais non. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah bien sûr que je fous le bordel, je cherche un coffre. Je trouve pas de coffre. Traduire, c'était bien marqué ça. Hein. De ton coffre, cache. Ton coffre, cacher ton coffre derrière les livres ne suffit pas. Donc là. Mais il y a des bouquins de partout. Ok. Là pour le moment. Pas rien de plus. L'autre, il est mort en pleine lecture. Bon. Vraiment rien de plus ici. Ah. Voilà, on a fini par le trouver. Joli travail, un carnet de plus. On dirait que celui-ci appartient à un certain Doc. Après des semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les Urks en sortant. La première tentative fut explosive, je vais peut-être devoir les tester dans des conditions réelles. Où vont les autres carnets? Tout ce qu'il y a. Ok. Donc, on ressort de là. Et du coup, faut qu'on trouve le quatrième emplacement de suppute. Il était pas là, lui, tout à l'heure. Heptor, salut toi, t'as l'air bizarre, t'es chétif, mais t'es pas comme les autres. Je sais que je suis censé te caresser, mais je vais m'abstenir parce que je ne comprends pas pourquoi.
Le troqueur cherche. Ok. Il joue pas. Entrer dans les égouts, on n'en a plus jamais entendu parler. Bon. Il va falloir qu'on trouve le logo de Momo. Là-bas, il y en a un. Donc il y a peut-être un truc par là-bas. Ok. Il va falloir qu'on passe de l'autre côté. Qu'on peut faire tomber les pots qui viennent d'entasser. Ok, on avance. Alimentation électronique de ventilation. Ça me paraît pas mal. Et du coup. On peut se diriger comme ça. Hey, salut The Gamer, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Ok, on va faire le tour de l'appartement. Si on a des petites choses à récupérer ou pas. Faire tomber. Là, je trouvais un intérêt, du coup, de faire les griffes. Attends, on a un petit peu soif. À boire, ça fait un petit moment. Je sais, achacha. Ah, si seulement. On est revenu là. Donc du coup, on va essayer de descendre. Un autre souvenir, c'est 14. Bien, c'est le cas actuellement. Bon. 11% de souvenirs. Pourquoi je devrais l'appeler à l'aide? C'est pas rassurant du tout. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Je ne connais. L'autre, il est musicien, mais il sait pas quoi jouer. Petite valse. Il va jamais s'arrêter. On va pas mettre la tête dans le sac, on sait que c'est un traquenard. Ah! Alors. Suis les chiffres. On dirait une langue binaire, une succession de 1 et 2 0. Bah ouais.
Bonne nuit, Leslie. Merci d'être passé, c'est sympa. Allez, on va commander une petite boisson énergétique. A plus, famille Chauvet. Merci d'être passé. Alors, c'est qui, lui? Il s'occupe des plantes. Et... merde. On t'a pris pour un zurk. Ok. Petit dehors. ...374 ans demain. Il nous manque un carnet. On n'a que 3 sur les 4. On va traduire ça. Végétaux Neko, il pousse dans le noir, pas besoin de soleil pour aimer la nature. Écoutez. Bonsoir, est-ce qu'il y a un geek parmi vous? T'as eu des trucs bizarres, mec. Ah, le gardien est le seul à pouvoir ouvrir la porte. Ça, c'est important. On peut manger n'importe quoi, c'est bien ce qui me semblait. Oh, on peut se frotter aux jambes, c'est mignon. Comme un vrai petit chat. Alors, troqueur, lavomatique, les fringues à mémé, programmation Elliot. Alors, troqueur par là-bas, les fringues. On va essayer de trouver quelqu'un. À mémé. J'aime beaucoup le tricot, j'en suis à 770 km de poncho tricoté. Waouh! Du câble électrique, je pourrais te faire un poncho, tu m'inspires. Ok. Il a failli le faire tomber. Le bordel par là, non? On est un petit peu livré à nous-mêmes. C'est plutôt ce qu'on doit faire, mais c'est pas grave. On explore, on regarde. Repose en paix, humain. Enfin, les premiers à vivre ici sont tous morts. C'est quoi de mourir? Je ne sais pas. J'ai pas cette expérience-là, donc... pas que je me souvienne. La musique est sympa, hein. Franchement le jeu de lumière est vraiment très beau, regardez le, avec le ray tracing, les reflets dans l'eau aussi, c'est super beau, regardez, les lumières qui se reflètent dans l'eau, les bâtiments et tout. Et... il y a quand même programmation Elliot par là. Et on n'a pas trouvé Elliot. On va bien trouver Elliot pour pouvoir lui transmettre notre code binaire. Potentiellement pourrait permettre d'ouvrir le coffre. Et potentiellement d'avoir quelque chose d'intéressant qui nous permettrait d'avancer.
Alors là, c'est les fringues de mémé. Programmation Elliott, c'est toujours par là. Hein. Mais on n'a pas croisé Elliott. Ouais, c'est un peu limité là. Sans panneaux supplémentaires. Pas m'orienter comme ça. Ouais non là c'est trop. Ok. On a fait. Alors c'est qui lui? Ça va énerver Cosma. C'est juste pour faire ses griffes, encore une fois. Arrête de gigoter, je vais pas te faire mal. C'est super. C'est le troqueur, câble électrique, partition. Une canette. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Trois canettes. Ah zut. J'aurais pas dû acheter la partition. Je peux sélectionner plusieurs objets. Ouais, j'en ai pas assez. A plus Mr. Fogg, merci d'être passé. Ok. Il faudrait trouver le Mister potentiellement peut nous aider à traduire. Il habite pas par là. Ah. Ouvrir. Yes. Passer à côté de la porte. S'il te plaît, parle-moi. Et en rentrer avant qu'il puisse... Fermez la porte. Tu viens voir Elliott, il est juste à côté. Ok. C'est Nestor. Alors, nous fûmes programmés pour être esclaves, mais depuis 2 554 000 de jours, pourvu que les extériorisent ou Momo. Ok. Autre chose ici. Oh, il y a des accords d'espiano. Bon. Continue d'explorer. Bien le bonjour.
je peux t'aider à... Alors, de Furbar. De Furbar. C'est bizarre. Je vais me le noter, mais... Est-ce que c'est juste un lieu auquel on doit aller? Ok, on complète les souvenirs. Ah. Ok. C'est tout, hein. Faudrait qu'on trouve les deux Furbar. Alors, annonce, je cherche une personne capable de surveiller l'entrée sud de la zone sécurisée. Rémunérer 2 pintes d'huile de Suyobap. Bon. C'est plus du tout où est le coffre. De toute façon, faut qu'on trouve les deux Furbar. Faut pas être une mince affaire. Bon. Traduire. Donc ça, on a déjà fait. C'est toujours pas. Pop, 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 pop. Bon. On va essayer de reparler au gardien, voir s'il a autre chose à nous dire. Rien de plus en fait, hein. Oui, on lui a donné des partitions. Eh bien, c'est fâcheux. Fâcheux parce que je sais pas du tout où aller. Je leur ai parlé déjà. Pas grimper. Hop. Voilà. Et... Très bien. Ça monte tout seul. Ah. On a réussi. La porte est ouverte. On va essayer de descendre. Juste en dessous. Ouais. Hop, hop. Et...
qui aurait été drôle, c'est qu'on marche dans la peinture et qu'on laisse des petites traces de pattes. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Ça change rien. Tout par terre. J'essaie de voir s'il y a quelque chose que j'aurais pu oublier. Passer inaperçu. Ouais, pas trop. Pas de plus. Ah. J'ai pris du détergent. Pas de plus. Allez. Cassos d'ici. Je vais rester bloqué. Mais non, mais c'est où? Il faut aller où? Ok. J'ai réussi à remonter. Hop. Ah non, faut monter en haut. Ah oui, forcément. Faut grimper là. Voilà. Ok, alors là on y est allé. Alors bonne nuit, à plus tard, continue comme ça. Hack, j'aime bien ce que tu fais sur farming. Faudrait qu'on me donne un coup de main. Bah écoute, n'hésite pas à passer sur le Discord de la chaîne. Il y a plein d'onglets, il y a plein de parties. Tu peux peut-être trouver un petit coup de main informatique si jamais t'as un souci. En tout cas, merci d'être passé. Sympa à toi. Oh, oh, oh. Ah bah non. On est que là. Alors, 8801. Ah, après, est-ce que de Furbar, ça pourrait être inscrit sur une des affiches autour du coffre? Chat perché. Ah. Un nouveau fait, du coup. Ouais, t'énerve pas. Il est pas content. pas content. L'animation, je la trouve vraiment très très bien faite. L'animation du chat, hein, c'est pas évident. Ceux qui ont pu bosser avec eux, même pas mal. Ah. Ah, il a tenté d'atteindre le niveau supérieur. Le centre-ville est par là-haut, loin des déchets, des maladies, des taudis. Même dans les temps difficiles, les humains ne pouvaient s'empêcher de se diviser en classes sociales. A l'époque, beaucoup de gens des taudis étaient prêts à tout tenter pour monter là-haut. Visiblement, les robots ont reproduit ce comportement. Et... ah. On était pas mieux là. C'est le journal des gens qui vivent au-dessus. Ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est? Bizarre cette mixture. Ils ingèrent vraiment ça. Leur conception d'origine n'incluait pas un système digestif. Peut-être ont-ils évolué en imitant les humains d'une certaine façon.
crois que je devrais goûter. Bon. 25%. La ville est très très vaste, par contre. On fait un petit open world. Ça va pas mal. Je pense un petit peu fatigué parce que la semaine a été longue. Et que là, je piétine un petit peu sur le jeu. Le jeu est très bien. Même si je stream en 720p parce que j'ai pas le choix. Le jeu est très bien, il est très beau. Ça, on avait déjà fait. Musique est vraiment sympa. Juste des boîtes empilées, je veux dire encastrées, encadrées, empilées, et c'est bien. Ok. Bon YouTube, on va s'arrêter ici pour cette découverte en tout cas. Si jamais t'as envie de découvrir la suite du jeu, bah écoute, les commentaires, maximum de pouces bleus, et viens le dire dans les commentaires surtout pour me dire, bah écoute, ça pourrait être pas mal que tu continues, qu'on puisse découvrir la fin de l'histoire. À ce moment-là, je ferai un let's play, un let's play monté, bien entendu, comme pour cette rediffusion. Toutes les phases d'exploration qui sont peut-être un petit peu longues par moment, où on piétine un petit peu. Et coucou, le robot. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Ça me dérange pas, je me prends au jeu, là je tourne un petit peu en rond, la fatigue de la semaine aussi qui va par-dessus, mais voilà, si ça t'intéresse, à la rigueur, bah voilà, pendant les vacances, je peux essayer de prendre du temps pour pouvoir finaliser, avancer et te proposer la suite du jeu, en tout cas si ça t'intéresse. Encore une fois, dans les commentaires que ça se passe. En description de la vidéo, tu as tout ce qu'il faut pour soutenir la chaîne. La première chose que tu peux faire, c'est t'abonner et mettre un petit pouce bleu. Et puis, active la petite cloche des notifications, comme ça tu seras informé dès qu'il y aura un live, parce que je live sur YouTube. D'ailleurs, tu as le lien du planning en description aussi. Et puis, si tu veux soutenir la chaîne, par les Super Thanks. Donc, les merci, les abonnements, en cliquant sur le bouton rejoindre, eh bien, n'hésite pas, c'est toujours avec plaisir. Et tu peux me rejoindre en live aussi et venir profiter d'un échange en direct avec moi-même. Allez, YouTube, je te fais plein de bisous, je te souhaite une très bonne continuation et on se retrouve très vite. Bye bye.